Salut à tous, salut lune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Si vous n'avez pas vu ma vidéo d'hier, IRL, voilà, en facecam, n'hésitez pas à aller voir. C'était une petite surprise que je vous ai faite, j'ai prévenu personne. Donc voilà, elle se trouve en description et en tweet épinglé, n'hésitez pas à aller voir parce que franchement elle est magnifique. J'ai fait 24h j'y vais pauvre sur GTA 5. En tout cas voilà, aujourd'hui je vais vous présenter le tout nouveau véhicule qui est sorti, qui est juste incroyable. Il est ma foi très très beau. Alors là, bien évidemment on l'a pas custom encore, il est sans customisation. Donc je rappelle que vous pouvez noter ma customisation sur 10 à la fin de la vidéo. Donc voilà à quoi il ressemble non custom. Et déjà juste non custom, il est trop beau. Juste non custom. Moi ce que je kiffe c'est le fait qu'il soit levé comme ça. Avec le petit truc devant, il est juste trop trop beau. Donc j'ai bien évidemment vous montrer le prix du véhicule. Mais je voulais juste tester un truc. Non, il est juste levé. Non, ok. Ah, il fait des rouges, je crois, attendez. Donc du coup pour le véhicule vous allez dans South San Andreas et voilà le véhicule, donc c'est le Gazer, je sais pas comment ça se prononce en anglais, Peyote en tout cas. Il coûte 805 000, donc on va voir s'il vaut ces 805 000. Donc apparemment c'est un véhicule des années 50. Ah oui, il peut aller jusqu'à plus de 240 km/h. Ah non, j'ai mal lu. Ok, donc bien évidemment on va aller custom tout ça. Donc déjà il a une accélération assez horrible. Je sais pas, c'est... ouais, c'est une grosse cylindrée. Ok, c'est une cylindrée. Donc, déjà au niveau de la vitesse, c'est bon, voilà, bah, c'est une cylindrée. Donc, forcément, c'est un véhicule qui est assez lourd. Et ma foi, ça va être compliqué. Par contre, j'ai hâte de tester ce véhicule en parcours. Il peut être stylé avec le devant levé. Je pense qu'il peut bien prendre les trottoirs et tout. On va tester ça, bien évidemment, après. Donc, là, bien évidemment, il pleut. On n'a pas de chance et tout. Mais franchement j'ai hâte de tester le véhicule en mode genre en mode parcours. Bien évidemment vous doutez qu'il va y avoir une vidéo sur le parcours qui les sortira, je pense du coup dimanche, parce que demain c'est samedi et demain vous savez que c'est spécial FaceTime. D'ailleurs je suis en train de réfléchir à est-ce que je fais des vidéos FaceTime tout le temps ou pas, je sais pas. Je suis en train de réfléchir parce que ça, honnêtement ça me plaît de plus en plus, je kiffe et vous kiffez ça. Et voilà, puis c'est vrai que j'ai parlé à quelques babouins, quelques abonnés dans à la Paris Games Week et ils trouvaient ça plus sympa en facecam que sans facecam. Ok, donc c'est parti. Alors, réparer le véhicule, blindage, on met à fond, frein de course, bon voilà, moteur niveau 4 comme d'habitude. Alors, échappement, on a échappement céramique, échappement court chromé, course, collecteur, ah non c'est collecteur, ok, collecteur long chromé. Collecteur long céramique, collecteur de rue céramique. Ouh, coudé, il est stylé celui-là. Coudé céramique. Waouh! Ah ouais. Wouhou! Pas mal! Ah ouais. Des deux côtés en plus, ok. On va partir sur échappement latéral, custom, explosif, on s'en fout. Calandre. Brut. Ah ouais, ça peut être intéressant aussi. Hein. Ah quand même, je sais pas. Ça fait comment? Ça peut être pas mal aussi comme ça. Je vais mettre comme ça. Hein. Franchement, c'est stylé. Hein. La calandre sans calandre, c'est pas mal du tout. Ensuite, au niveau du capot. Alors, on a capot retiré. Wow. Capot, couleur secondaire, lisse, carbone, double filtre. Wow, le SD, shit, c'est quoi ce véhicule de fou? Il est trop trop beau. Donc je rappelle que vous pouvez noter, bien évidemment, à la fin de la vidéo. Wow, ah ouais. Alors je sais pas honnêtement sur quoi partir. Faut que je regarde bien là. Alors il y a celui-là. Celui-là. Le problème c'est que sinon on l'a déjà trop fait. Celui-là on l'utilise peu. Je vais mettre ça. Bois, je sais pas. Sans capot, ça fait stylé. Hein. En fait, avec capot, c'est beau. Voilà. Pas vous mentir. Mais sans capot, je vais juste le mettre pour l'originalité du truc. Voilà. Klaxon, non. Éclairage. Sport néon, couleur néon, on va mettre. Bah pour l'instant je sais pas parce que j'ai pas encore choisi la couleur du véhicule. Alors motif, en toute simplicité,
Ah ouais, Hodge Cool, c'est pas mal comme ça. Smokey. Non, ça c'est pas beau, ça c'est pas beau. Les Flammes de la Liberté, c'est pas mal. Sortie de la décharge, bon ça on l'a déjà fait, ça c'est du vu et du revu. Ouais, ça paraît. En fait, c'est que du vu et du revu, quoi. Donc en fait, c'est des trucs qu'on a déjà vus. Ça c'est vraiment très 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 beau. Bon, je vais partir sur ça. Parce qu'honnêtement, c'est pas tout le temps qu'on voit ça, à part dans Liberator. Je vois pas sur d'autres véhicules. Prévention. Ok, plaque. Pack bleu jaune sur bleu. Du coup, ça va bien avec. Peinture. Alors, couleur secondaire. Bah, du coup, la couleur secondaire, elle sert à rien. Ah, quoique, ça change un peu. Ouais, je vais mettre un petit rouge grenat comme ça. Un petit rouge stylé. Couleur secondaire. Ouais. Couleur principale, par contre. Ok. Ah, ça changera. Ok, vu que j'ai mis un motif, en fait, ça change rien du tout. Alors, ça, bien évidemment, on met. Pas en carbone, par contre. Oh. Dragster, ouais. Carbone, je suis pas trop fan du carbone. Moi, j'ai jamais été fan. Voilà, toi, décapotable. Bien évidemment, décapotable, c'est quoi la question? C'est trop trop beau. Le véhicule est vraiment très beau, je kiffe. Vendre, non. Suspension, suspension, on va laisser normal. Ah ouais, suspension, je mets de série par contre. Transmission, ouais. Turbo, on met turbo. Roue. Type de roue. Alors par contre les roues c'est du low rider je pense. Ah mais regardez ça change pas le les roues derrière. Waouh en fait vous voyez, les roues elles sont énormes derrière par rapport à devant. D'accord ok. Ouais je vais pas changer les roues aussi. Je vais le laisser normal. Prendre pneu. Apparence. Pneu à l'épreuve des balles, fumée de pneu rouge, fenêtre, bah y a pas de fenêtre du coup, vu que c'est décapotable on n'a pas de fenêtre, donc voilà à quoi le véhicule ressemble, alors on a juste oublié de mettre un truc, attendez, hop, éclairage, type néon, couleur néon, et on va partir sur du... Bleu électrique, ça me semble pas mal. Là, pour le moment, le véhicule me semble, ma foi, assez beau, assez stylé. Je sais pas où dans les commentaires. Alors, certes, oui. Bon, je sais que des fois, il y en a une scène dans les commentaires. Je sais qu'il y en a une qui me dit c'est dégueulasse, c'est horrible, c'est trop moche, anime et tout. Mais là, franchement, je dois avouer que je suis assez satisfait de moi. Et je kiffe. Oh, bien évidemment, par contre, il pleut. Ah ouais, il rend vraiment très, 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 très beau, très beau. Oh, par contre, là, au niveau de l'accélération, j'ai l'impression qu'elle a augmenté. Par contre, c'est un véhicule drift, je crois, ou je sais pas. Ah, voilà. Voilà, je me disais bien, un gros cylindré, forcément. Ah, voilà. Je me disais bien, oh, il y a un souci là. Et effectivement. Le véhicule. Oh, par contre, il a du mal à tourner, ou c'est moi? Waouh! Comment il a du mal à tourner pendant sur l'appui? Et il tourne pas du tout, regardez! Regardez les roues, comment elles tournent. Elles tournent. J'ai l'impression qu'elles tournent pas à 100%. Regardez, attendez. Regardez, s'il vous plaît. Non, mais je vous jure, j'ai le joystick à fond! Putain, si j'aurais mis ma cam, j'aurais allumé ma cam, honnêtement. Vous verrez que là, j'ai vraiment le joystick à fond. J'ai l'impression que le véhicule ne tourne pas. Ok, attendez. Regardez, il a du mal. Alors, regardez, par exemple, je vais prendre le virage là. Il veut pas tourner. Regardez comment il tourne, les virages, comment il les prend. Je vous remontre un exemple. Alors, regardez, on va par exemple tourner ici.
Regardez, regardez le temps qu'il met. Regardez, regardez, je suis à fond. Là, j'ai le joystick à fond à droite. Et il peut même pas tourner. On est obligé de freiner et tout. Je vais par exemple, je sais pas, tourner là. Aller sur la route de gauche. Aller à droite, c'est bon. Ah ouais, par contre, il se lève. Ah, je suis obligé de freiner. Là, je suis obligé de freiner. Mais freiner, abusé. Regardez, là, j'ai freiné vraiment beaucoup. Ok. Alors, franchement, tenue de route dégueulasse. Mais honnêtement, horrible. De chez horrible. Hein. Tenue de route. Oh là là, c'est catastrophique. Alors, par contre, ça, comme je vous dis, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai hâte de le tester dans un parcours. Parce que là, en soi, on galère. Mais imaginez dans un parcours où faut vraiment bien tourner. Genre, par exemple, faut tourner. Alors, pas ici, mais. Je peux vous montrer. À gauche. Là, hop. Bah voilà. Vous voyez comment ça fait. Là, je peux pas tourner. Voilà, regardez. Ok, bah j'ai hâte de tester ça dans un parcours. C'était la présentation du nouveau véhicule qui s'appelle Vapid Pilot Gazer. Ou je sais pas trop comment ça se prononce en anglais. Kaiser. Kaiser, peut-être. Kaiser. Ouais, je sais, j'ai fait anglais. Je sais, j'ai fait anglais. Il est très beau en décapotable. C'est la première fois que je vois que ça sur un véhicule. Le fait de mettre, d'enlever son capot, d'enlever le toit et tout en mode vraiment stylé comme ça. Il est très beau. On cesse là-dessus. N'hésitez pas à noter sur 10 mon véhicule. Et moi je vous dis au bye, au bye, au bye, au bye, au bye.